Salut, bienvenue sur ma chaîne. Notre corps contient à peu près 400 articulations. Ces structures complexes qui assurent la mobilité de nos membres fonctionnent assez bien jusqu'à la cinquantaine, âge auquel les signes de vieillissement commencent à apparaître, dont notamment l'érosion du cartilage. Pour le renforcer, voici la recette d'un remède simple et naturel à préparer chez soi. La recette suivante restaure la fonction des genoux et des articulations tout en renforçant la structure des os et en améliorant leur densité. Ingrédients: 2 cuillères à soupe de gélatine non aromatisée, 3 cuillères à soupe de raisin sec, 4 cuillères à soupe de graines de sésame et 200 g de miel pur. Les bienfaits des ingrédients. La gélatine, grâce à sa richesse en acides aminés, en protéines et en collagène, la gélatine est une véritable alliée de nos os et articulations. En plus de les renforcer et de les assouplir, elle aide à réduire les risques de plusieurs maladies dégénératives telles que l'ostéoporose et l'arthrose. De plus, elle est également capable de réduire le taux de cholestérol dans le sang, de retarder le vieillissement, de contrôler la glycémie et d'augmenter la résistance physique. Mise en garde, il existe un risque de choc anaphylactique, réaction allergique très grave pouvant engager le pronostic vital, qui pourrait être fortement majoré chez les patients présentant des antécédents d'allergie à la viande rouge et aux abats. Les raisins secs, le calcium, qui est l'élément principal de nos os, est présent en quantité importante dans les raisins secs. De plus, ces derniers sont une source principale de bore, un micronutriment essentiel pour une formation osseuse parfaite, une absorption efficace du calcium et une meilleure prévention de l'ostéoporose provoquée par la ménopause chez les femmes. Le potassium est une autre substance nutritive essentielle trouvée en niveaux élevés dans les raisins secs, ce qui peut aider à renforcer les os et les articulations. Mise en garde, sa forte teneur en sucre peut déstabiliser le bon déroulement d'un régime alimentaire. Les graines de sésame, ces graines sont riches en métaux, minéraux, en fibres et en vitamine E, et de récentes recherches ont pu montrer leur action protectrice du cartilage dans des modèles d'arthrose expérimentale. Elles ont un effet anti-inflammatoire puissant, dû à leur teneur en acides gras polyinsaturés et en vitamine E, à l'action antioxydante. Mise en garde, le sésame est un allergène fréquent. Les symptômes de l'allergie qu'il provoque peuvent être cutanés, digestifs ou respiratoires. Dans les cas graves, la réaction peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Les personnes allergiques au sésame doivent éviter tous les aliments et les produits qui en contiennent. Le miel est parmi les aliments les plus bénéfiques pour notre corps et surtout pour nos articulations et ce grâce à la grande quantité de nutriments et d'antioxydants qu'il contient. Il a un effet purifiant qui favorise l'élimination des déchets, et un puissant pourvoir antioxydant qui contribue à la régénération des différents tissus corporels. De plus, son action anti-inflammatoire permet de réduire efficacement la douleur et les œdèmes. Préparation. Versez tous les ingrédients dans un grand bol et mélangez soigneusement pour obtenir un mélange homogène. Une fois terminé, versez-le dans un pot en verre à fermeture hermétique et prenez-en une cuillère à café deux fois par jour, avant le petit déjeuner et le déjeuner. Dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la et abonnez-vous à la chaîne ci-dessous. Au revoir et à bientôt dans la vidéo suivante.